que tout ce qui respire loue l'Éternel. O te mananga e comme ça yo. Babanzonanga e sanjola yo. O oyongana zo mona ilongoli bon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux, en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de Regina Daniels, son mari milliardaire né de Noko et leur nouveau bébé. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ce contenu, je vous ai cocktailé un très bon mélange de fruits, n'est-ce pas? Un peu de mangue, un peu d'ananas, un peu de papaye. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme goût, mais je vous promets qu'on peut trinquer à la bonne heure. Mes cocktails que je fais là, est-ce que je vous ai conseillé d'aller essayer? Si tu fais... sache que les conséquences seront réelles. Je suis responsable de ce que je dis, hein, mais je n'ai pas dit aller pratiquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Onyang Imoukou Siata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. C'est moi, je m'appelle comme ça. Ça n'a qu'à vous choquer. Alors, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram c'est Demeure Officielle. J'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces dans ce contenu, allons vite à l'essentiel, mais je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Regina Daniels, c'est la jeune fille claire belle que vous voyez là. Elle est actrice nigérienne. Pour la petite histoire, avant d'arriver à leur bébé, cette jeune fille que vous voyez très belle là comme ça, elle a épousé ce papa là que vous voyez là. C'est pas son oncle, c'est pas son père, c'est pas son grand-père, c'est son mari. Ces deux-là se sont mariés, ça fait parler le Nigeria, l'Afrique tout entière. Même, je pense même qu'aux États-Unis, la nouvelle était arrivée. Son sugar daddy est devenu son mari. C'est ça qui est ça. Je vous dis, l'argent répond à tout. L'argent ne fait pas le bonhomme, mais depuis que j'en ai, je me sens bon. Je fais le tour du monde, yo pour go à Monaco. À façon, j'aime cette chanson, hein, car le second nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. La fille a épousé ce monsieur. Je tiens à signaler pour ceux qui ne le savent pas que ce monsieur-là est marié, il a d'autres femmes, il a rajouté encore Regina Daniels. Voyez qu'on a l'argent, on peut tout se permettre. Vous autres, vous n'avez pas argent, vous venez m'embrouiller ici avec vos non-likes sur mes vidéos. Likez au moins, c'est entre nous des personnes qui se cherchent. Vous voyez, non? Donc cette jeune fille-là, elle a épousé ce monsieur. Ça fait parler les gens. Ça fait parler les gens, je me rappelle encore. Mais en ce moment-là, je n'étais pas autant intéressée à la vie des gens. Voilà pourquoi je pense que j'en avais presque pas parlé. Oui, j'étais intéressée. Mais ce cas-là, je pense que je n'avais pas ça dans ma ligne de mire. Mais ce n'est pas tard. Le jour où je vais m'asseoir dessus, je vais analyser sur ce cas-là. Mais bon, après, quand on les voit heureux, épanouis. Et l'homme et la femme, façon la fille, elle a l'air heureuse, elle vit le bonheur. Non, l'argent est autre chose, hein? L'argent, il faut en avoir. Quand tu es fauché, là, c'est la malédiction, il faut prier. La bénédiction, c'est avoir l'argent. Que quelqu'un me dise amen dans les commentaires. Le monsieur, la façon, il rajeunit. La fille, là, rajeunit le papa. Ce papa, là, met maintenant t-shirt, jeans et basket, hein? Ce milliardaire-là, il a oublié bazin du Nigeria. La fille lui fait faire fashion. Le gars s'habille en actualité. Eh, ce papa que vous voyez là, les boubous bazin des hommes riches du Nigeria, il a oublié. Il s'habille en slim. Il s'habille en chemise taille. Il s'habille en t-shirt Lacoste. Le papa a rajeuni. C'est ce qui se passe là-bas. Après, Regina Daniels est tombée enceinte. Je vais vous montrer même les vidéos de sa grossesse. Je vais vous mettre ici. J'aurais souhaité avoir le genre de grossesse que les hommes riches et les femmes, enfin, des femmes riches. Parce que nous autres personnes pauvres là, tu exposes seulement ton ventre même par accident sur une photo. Les démons de ta famille viennent te combattre. Mais les Kardashians, les Regina Daniels, toutes ces personnes là qui ont de l'argent, eux ils peuvent se filmer avec leur ventre pendant leur grossesse. Ils n'ont pas d'attaque. Eux, leur grossesse, là, ça ne leur rend pas malade. Hein. Elles sont tout le temps là devant sous les projecteurs en train de se filmer, de se prendre en photo, de se shooter. Nous autres personnes pauvres, façon on est malade quand on est enceinte. Moi, je vomissais jusqu'à en mourir. J'avais l'impression que les organes de mon corps là vont sortir par les narines. Mais regardez là comment elle est.
Elle bouge même. Elle danse pendant sa grossesse. Je vous mettrai ça en image. Le genre de grossesse qu'on souhaite avoir, nous, personnes pauvres. C'est riche qui a ça. Non seulement le riche a l'argent, mais le riche vit sa grossesse tranquillement, tranquille, avec paix et bonheur. Ne pas avoir l'argent, c'est manquer le bonheur. Je vous dis la vérité. L'argent répond à tout. Même les caprices de la grossesse respectent le fait que tu en as. Donc voilà. Je vais vous mettre ça en image. Et la jeune fille, Regina Daniels, a accouché. Elle a accouché, oh. Elle a accouché, elle a fait un petit garçon. Hé! Hey. Nous autres personnes pauvres, quand on accouche, on cache les bébés. On ne veut pas encore que l'oncle du village ou la tante apprenne. Mais Regina Daniels, elle accouche à l'hôpital. On montre déjà le bébé sur les réseaux sociaux. Hé! Hey. Les personnes riches, les démons respectent le fait que vous en avez. Eux, ils n'ont pas de combat. Hein. Eux, ils vivent tranquilles. Elle a exposé son bébé. Nous tous, nous avons vu un joli petit bébé comme ça. Qui peut être petit-fils chez son mari. Parce qu'on a déjà vu son mari, le milliardaire, et elle avec les petits-fils de son mari. Là. Je ne sais pas comment est-ce que les petits-fils de son mari vont appeler son bébé. Notre bébé, notre tonton, enfin, je ne sais pas trop. Hein. Mais c'est ça qui est ça. Ils vont porter leur tonton. Elle a accouché. Elle a exposé son bébé. Nous tous, on a vu. Alors, après l'accouchement, là, retour à la maison, n'est-ce pas? Ils ont organisé une cérémonie de bienvenue. Hé, les riches! Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Oh. Gâteau en forme de berceau. C'est ça qui est ça. Vous allez voir sur la vidéo. Vous allez voir sur la vidéo. Le monsieur était juste à côté de la dame. C'est son épouse. Respectons-les. C'est les mariés. Oh. Le monsieur était à côté de sa dame. Ils étaient en train de se prendre en photo, tout ça. À un moment même, on voit, il a pris le micro. C'est comme s'il avait pris la parole aussi. Il a même dit quelque chose. Ils étaient en train de souhaiter à leur bébé la bienvenue. Nous sommes heureux pour eux. Parce que nous autres, les pauvres, quand on sort de l'hôpital, c'est à cache-cache qu'on joue. Tu pars vite avec ton bébé, tu le caches direction dans la chambre. Parce que c'est les démons de ton quartier qui ne connaissent même pas le visage d'une de tes tantes. Ils vont s'associer, je ne sais pas moi, avec lequel de tes ancêtres qui ne t'a jamais vu pour bouffer ton enfant. Sans ton accord. Ose exposer, ose faire cérémonie de bienvenue. Hein, elle pense que c'est quoi? Elle a accouché, elle vient faire le tapage. Ton propre enfant, tu ne sais pas célébrer son arrivée chez toi à la maison haut et fort. Parce que les démons du quartier ont le droit même de venir bouffer ton enfant. Voilà les personnes riches. Les démons du voisinage la respectent. Déjà d'abord, apparemment dans les quartiers des riches, là, le mauvais esprit ne traîne pas. Parce que qui va vouloir te bouffer ton enfant? Qui va t'envier parce que vous tous, vous avez des villas tout autour? Voilà pourquoi il faut choisir même le type de quartier où tu vas aller habiter. C'est-à-dire tes voisins en ont. Chacun a ses propres combats chez soi. Alors, ils ont organisé la cérémonie de bienvenue pour leur bébé. Apparemment, ça s'est bien passé. J'ai vu en image, il y avait aussi des actrices nigérianes. Il y avait des actrices nigériennes qui sont arrivées aussi pour soutenir leur collègue Regina Daniels. Il y avait des invités VIP. Apparemment, il y avait même remise de cadeaux. Je ne sais pas hein, si elle a fait baby shower. Je vais encore chercher. Si on a, je vais vous mettre l'image. Mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Donc, au fait, bref, Regina Daniels, elle était enceinte. Elle a accouché d'un petit garçon. Très mignon, là. Ils ont organisé leur cérémonie de bienvenue à leur bébé. Et voilà. Tout ce qui m'a poussé à faire cet élément, c'est le fait de voir que les riches peuvent se permettre des choses. Mais nous autres, on ne peut pas. Eux, leur grossesse peut être exposée. Eux, leur cérémonie de bienvenue, ça peut se faire. Nous autres, si on ose, on nous bouffe et notre enfant. Et puis, tu restes fauché jusqu'à le diable va décider de te lâcher. Heureusement qu'il y a Dieu. Si Dieu n'existait pas, je vous jure, on aura tout perdu. Moi-même, j'ai fait une vidéo avec ma fille, mais j'ai réfléchi 10 fois si je dois vous la poster. Parce que façon, le démon vient même sur YouTube pour guetter.
Mais sur les comptes Instagram, YouTube des personnes riches, là, vous n'allez pas. C'est nous autres qui avons que 12 000 abonnés que vous venez chercher. Pendant qu'il y en a qui ont 2 millions d'abonnés, là-bas, vous ne suivez pas. Les filles, ça c'est un conseil gratuit que je vous donne comme ça, vite fait. Si tu as une relation avec une personne plus âgée que toi qui peut avoir l'âge de ton père, dis-toi que c'est déjà une malédiction. Alors que cette malédiction-là soit au moins rentable, c'est-à-dire que tu puisses au moins empocher de l'argent que tu vas garder quelque part qui va t'aider. Ne pars pas seulement à Chine, Dubaï, pour aller prendre des photos et montrer à tes copines pour que ça leur fasse mal au cœur. Non. Tu pars à Chine, Dubaï parce que tu es en train de faire déjà des affaires comme ça avec l'argent de ce type qui t'a poussé à pécher. Au moins quand tu vas aller demander pardon à Dieu, c'est essuyer tes larmes. Au moins tu as de l'argent quelque part. Toi, tu peux sortir avec un papa qui peut avoir l'âge de ton père, mais tu n'as même pas de bijoux. Tout ce que tu as, c'est un iPhone 11. Si ça s'écrase, c'est fini, c'est mort. Tu allais commencer à réparer quoi, le display? Tu n'as même pas une voiture. Que si aujourd'hui, c'est fini avec ce vieux-là, tu peux vendre et puis avoir l'argent dans tes poches. Il y a de ces péchés qui doivent être rentables. Non seulement tu commets un péché, mais tu es encore fauché encore plus que tout. À quoi t'as servi d'avoir un sugar daddy dans ta vie? Il faudrait que ça soit rentable. Quand tu pêches là, que ça soit rentable. Si tu sors avec un type, un sugar daddy, mais qui ne te donne rien, ça c'est gaspillage de péché. Tu vas aller en enfer pour rien. Alors pour rien. Voilà Regina Daniels. J'espère qu'elle en a dans son compte bancaire. Son mari, on dit, il est milliardaire. De toute façon, elle est jolie, pimpante, raffinée, là c'est bon. Mais en dehors de ça, il faut que le compte bancaire soit blindé. Parce que quand je leur regarde, ils ont l'air bien ensemble parce qu'il y a l'argent. Si on enlève seulement l'argent là, on va tous s'asseoir pour lui prodiguer des conseils. Tu vois pas que c'est ton père? Tu vois pas? Même sa mère va lui dire, tu sors avec un vieux type comme ça, pourquoi tu fais ça? Il va te rapporter quoi? Il va te donner quoi? Tu vois pas que c'est une malédiction? Mais à l'instant où on voit l'argent, c'est fini. L'argent répond à tout. Donc voilà. C'était mon Congo, ça, comme ça, sous les affaires des gens. Je vais jusqu'au Nigeria pour aller voir ce qui se passe chez les autres. Et je parle de l'affaire des Nigériens comme si c'était dans notre communauté. Ça, c'est un autre niveau de Kisongi-Songi. Et ça aussi, c'est pas normal. C'est un péché, hein, Kotonga Makambwabatu. C'est un péché. Au moins, c'est rentable. À la fin, YouTube va me payer pour ma vidéo, n'est-ce pas? Bisous, bisous, bye. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga le komisayo. Babanzo nanga le sanjolayo.
Oh, oh, yungana zomona, ilongoli bonzame na yote.